Coucou! Alors sur cette vidéo, je te propose une petite routine pour le dos. Donc on va venir se mettre à quatre pattes. On vient placer les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et puis on fait partir une vague. Depuis le bassin, on creuse le bas du dos, puis le milieu, le haut jusqu'à la tête. Et à nouveau depuis le bassin, on va venir arrondir le dos, le bas, le milieu, le haut. Et on regarde le nombril. Inspire, on creuse. Doucement depuis le bassin jusqu'à la tête. Et sur l'expiration, on arrondit. Encore une fois, inspire, on creuse. On fait partir la vague depuis le bassin jusqu'à la tête. Et à l'expiration, on arrondit. Regarde le nombril. Éloigne bien les épaules des oreilles et reviens te mettre en position neutre. Puis on s'assoit sur les talons, on vient déposer tout le corps. Si besoin, on ouvre un peu les genoux pour être confortable. Puis on vient placer les mains à côté des genoux. On crochette les orteils pour se redresser. On va pousser les fesses vers le ciel mais garder les jambes fléchies. Et si on vient mettre les mains à l'intérieur des coudes et on relâche le haut du corps, la tête. On décroise les mains vers le sol et on va doucement dérouler. Vertèbre par vertèbre, petite rotation d'épaule et on replace la tête. Puis on vient en chaise. Donc là, je viens mettre mes fesses bien vers l'arrière, les mains vers le ciel, les épaules basses, le dos le plus droit possible. Je redresse. Je place mon poids du corps sur la jambe gauche. Pour lever le genou droit, je tire le genou vers moi et j'allonge le dos. Je repose le pied, je reviens à nouveau en chaise. Je viens m'asseoir, le dos bien droit, les mains vers le ciel, les épaules basses, éloignées des oreilles. Je reviens, poids du corps sur la jambe droite. J'amène le genou gauche le plus haut possible, je le tire vers moi. Je baisse bien les épaules, je fixe un point et je redescends, je reviens en chaise une dernière fois. Épaules bien basses, fesses bien vers l'arrière et je reviens. On va enchaîner, ouvre les pieds bien parallèles, mains sur les hanches, on va se plier en deux à partir des hanches. Ici, on expire et on se plie. Contracte bien les cuisses et on va pousser les mains vers le sol. Si besoin, on plie les jambes si ça tire trop dans l'arrière des cuisses. Relâche bien les épaules, la tête. Puis remets les mains au niveau des hanches. On va chercher un dos plat pour redresser. Ouvre le pied gauche. Tends les bras à l'horizontale, baisse les épaules, connecte les omoplates vers l'arrière et baisse le bras gauche vers la jambe avant. Ici, on cherche à faire une belle ligne droite. Depuis la main gauche jusqu'à la main droite, qui tire vers le ciel. Et puis on revient, on échange les pieds, connecte bien les omoplates. Et on va descendre sur la jambe avant. Ouvre bien la cage thoracique. Une belle ligne droite. Et on revient. On replace les deux pieds parallèles. À nouveau les mains sur les hanches. J'inspire et sur l'expiration, je me plie en deux. Je contracte les cuisses. Je relâche la tête. Les mains vers le sol. Épaules relâchées. Si besoin, je plie les jambes. J'essaie d'allonger le dos. De bien souffler. Je remets les mains au niveau des hanches. Je cherche un dos plat pour redresser. Je peux plier les jambes. Un petit saut. Et voilà. Des bisous.